La scierie d'Azovstal est toujours ciblée par les forces russes, alors que les derniers combattants ukrainiens de Mariupol y sont retranchés depuis de longues semaines. Devant le nombre de blessés, les familles des membres de ce bataillon ont organisé une conférence de presse pour lancer un appel à l'aide à la Chine. Nous demandons au président chinois Xi Jinping de faire preuve de compassion, de défendre les valeurs que nous partageons et de montrer la grande sagesse orientale en participant au sauvetage des défenseurs de Mariupol. En attendant un éventuel soutien de la Chine, une délégation de sénateurs républicains américains s'est rendue à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Une aide de 40 milliards de dollars souhaitée par Joe Biden est attendue. À Kharkiv, deuxième ville du pays, les forces ukrainiennes continuent de repousser l'envahisseur russe. Plusieurs villages situés au nord de la ville ont été repris ces dernières heures, mais la pression militaire reste forte dans l'est de l'Ukraine, où les bombardements incessants se poursuivent. Moscou est toujours déterminée à remporter une victoire dans le Donbass. Dans plusieurs zones du pays, les corps des soldats russes tombés au combat sont conservés par les Ukrainiens dans des wagons de train réfrigérés avant un éventuel rapatriement en Russie. Aucun accord entre les deux camps n'a encore été trouvé à ce sujet.